Et la confiance réciproque, c'est la confiance que le détenteur et l'animal nous accordent, mais c'est aussi la confiance que nous-mêmes nous accordons à nos clients et à nos patients. Et je crois que c'est une des clés de la satisfaction du travail. Voilà ce que je pouvais dire de façon générique, qui n'a pas de rapport avec les résultats de l'étude, mais qui, à mon avis, ont du sens dans le contexte professionnel dans lequel nous évoluons. C'est un beau message pour toute la profession, effectivement. Yvonne, tu avais un autre message à faire passer? En écoutant Jean-Pierre, je pensais que, effectivement, quelque chose que je trouve extrêmement satisfaisant, c'est ce dialogue manuel qui s'installe avec l'animal. Quand je fais une consultation, je commence toujours par mettre en évidence les restrictions de mobilité pour moi, pour le propriétaire, mais aussi pour l'animal qui sent lui-même dans son corps ce que je suis en train de montrer. Et puis on traite et ça fait pas mal pour l'animal. Et pour les propriétaires, c'est appréciable. Belles une fête. Belles une fête.